Salut, c'est Warwick de Rakata Gaming, bienvenue à vous commandant, bienvenue sur X4 Foundation, Cradle of Humanity, le berceau de l'humanité, version 4. Ça fait un petit moment que je n'ai pas rejoué dessus puisque je m'occupais des guides. Et c'est vrai que du coup c'est un petit peu dommage et voilà, donc je fais une, on va dire une petite pause sur les guides. Et je vais jouer un petit peu. Alors je vais être un petit peu perdu entre guillemets, j'ai rejoué un petit peu quand même pour mettre dans le bain, mais faut que je m'en mette dedans. Je pense qu'on va continuer la mission que j'avais commencé pour les pionniers Ségaris avant de continuer notre avancée militaire sur les Xénons. Donc on va d'abord, comme d'habitude, faire un peu le point sur la situation. Parce que moi, me remettre dans le bain et puis bon, montrer un petit peu ce qui s'est passé. Parce que j'ai un peu joué aussi depuis entre temps. Mais pas plus que ça. Alors, on passe en jeu. Voilà, du mal. Voilà, donc j'ai eu aussi entre temps une promotion avec les pionniers Ségaris. Donc on va aller récupérer ça et ensuite on va repasser là-dessus, transfert de données. Avant cela, on va faire un petit peu le point. Pour me remettre dans le bain, là, du coup, j'ai récupéré un vaisseau pirate entre temps, donc il est parti se remettre là. Il va, oui, il est là, il va compléter la flotte FDL 700. J'avais lancé la construction, je sais plus si on l'avait vu en vidéo ou pas, d'un Raptor. Raptor, il est là-bas. J'ai dû fortement aider, s'ils n'y arrivent pas à s'autosuffire, ils n'ont pas les ressources, j'ai beau avoir deux vaisseaux transports, même trois. De toute façon, qu'ils font plus rien. D'ailleurs. Bon, je sais pas trop. J'ai dû, enfin voilà, amener quasiment les ressources pour pouvoir le construire. Normalement, comme ça coûte moins cher, je l'ai envoyé ici pour se mettre à jour. J'espère que ça va aller. Sinon, va falloir que je renvoie aussi les ressources qu'il faut. Parce que là, si je le prends là-dessus. Déjà, il dit pas s'il manque des ressources, on va supposer que c'est bon. L'idée c'est que ce vaisseau étant normalement réputé pour être un gros vaisseau, avant qu'il y ait une nouvelle extension, Cradle of Humanity, mais comme j'ai pas encore accès à ces vaisseaux là, je reste sur les anciens. Je l'enverrai sûrement au front, là-bas. A voir si je complète, je fais le coup des deux flottes comme on m'avait conseillé à un moment donné d'avoir deux flottes d'attaque. J'ai pas trop l'habitude de gérer avec deux, mais bon, on sait jamais. Ici, alors, même peu de temps, pareil, j'ai dû amener des ressources, donc cette station de défense a été terminée. Ce secteur, maintenant, vous voyez, donc, elle a bien avancé puisque j'ai pris le secteur. Donc là, on a avancé par rapport à l'autre fois. Donc l'idée, une fois que cette station est terminée, pas trop mal quand même, déjà bien avancé au niveau des ressources. Il y a des choses qui arrivent, il va falloir que j'envoie encore des composants de tourelles, mais bon, déjà le reste c'est pas mal. On va laisser déjà faire ça, et une fois que cette partie là sera terminée, on va pouvoir avancer sur le secteur famille de Zin. Alors, et ce secteur là est très important, déjà en termes de ressources, où elles sont mixtes. Et surtout, ça va arrêter d'avoir un point d'entrée pour les Xénons sur toute cette partie-là. Toute cette partie-là, vous voyez, j'ai une des flottes de défense ici, du coup ici, ici. Tout ça va pouvoir avancer. On m'a demandé de larguer ma cargaison. Ça va aller beaucoup mieux, quoi. Alors, fais voir. Ah, c'est les pirates. 801. Donc, tu t'échappes. On va aller voir. 801. Il faut que j'en mette dans le bain, faut que je retrouve 801. On voit que lui il est en fuite. C'est quoi qui attaque? Voilà, un écumeur. Donc là, on va envoyer la flotte d'abordage. Eux, je continue de les prendre. Suivre jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Et donc pour la suite de la mission, ça sera là. Il est déjà en place. Et nous, par rapport au lieu où on doit aller, c'est ici. Le cobra. Il va s'amarrer et attendre là-bas.
Ah, il y en a un autre là. Ah, j'avais même pas vu. Bon, bah voilà, j'en ai deux. Faudrait que je me le note. FPM 300. Je me le notais quelque part, je sais pas trop où. Voilà. Ça c'est noté. Voilà, j'en pose un peu lâché, la pause. Donc, on disait, lui, il va partir là-bas. Là, nous sommes aussi. On avait fait notre station de défense. Oh, ben, on était pas au courant. Attends. On va. Alors, un des constats de cette mise à jour, c'est un certain déséquilibre, surtout pour des gens qui ont des parties très avancées au niveau des ressources, genre beaucoup de vaisseaux de minage, plus de ressources. Donc, c'est pas évident apparemment de continuer forcément sa partie. Moi, je peux avoir un peu de chance dans le sens où je suis pas à un état d'avancement hyper avancé, dans le sens où en termes de production, je suis quand même assez limité. Et pour ceux qui me demandaient pour le terraforming, a priori, il faut facilement, bah, facilement, faut arriver à atteindre le milliard. Dans le sens, il y a l'une des premières missions, il va nous, Bozota, je crois, il nous demande 1 milliard de crédits. Donc 1 milliard, c'est que le début. Donc c'est vraiment, comment dire, c'est du endgame, hein, le terraforming. Et le terraforming, pour ceux qui ne savent pas, ce n'est, c'est un élément qui arrive dans le menu là-haut. On va pouvoir changer l'apparence de la planète en vue de loin, extérieur, mais il n'est pas question d'atterrir dessus, construire une base dessus ou quoi que ce soit. Ce n'est pas à ce niveau-là. Je sais même pas si ça arrivera pour X4, mais c'est déjà un point d'avancement pour ce studio de proposer ce genre de choses. Et pour information, il y a eu au niveau communauté indépendante de la communauté qui a développé carrément une extension pour le X3, pour ceux que ça intéresse. Oui, j'ai pas joué au X3. Donc là, ici, lui. Non, c'est pas le bon. C'est celui-ci. Non. FDR, 500. 500. On fait comme ça. Ouais, sans a priori, c'est bon. Voilà. Oui, donc il y a un certain déséquilibre, ce qui fait que on l'avait vu, ça correspondra à ça. Lorsque je faisais mes missions au niveau pour les Stégaris, j'ai pu me défendre contre un I, un classe I, alors qu'auparavant, j'aurais jamais réussi à le faire. Oui, il y en a un là. C'est. Ça m'arrange, hein. C'est sûr, il m'arrange. Mais on arrive à un point où, du coup, il n'y aurait plus trop d'opposition, quoi. Même l'IA qui a du mal. Bon, moi, je vais continuer comme ça, de toute façon, c'est pas grave. La vitesse à laquelle j'avance, le jeu a encore le temps d'évoluer. J'enlève la pause. Je vais retourner au niveau donc, de mon Cobra. Il est où? Ça m'arrive à attendre. Porter. Alors j'étais en train de recruter pour mon Raptor là. Il faut que je fasse ça en plusieurs fois parce qu'il y a du boulot. Bonjour. Voilà, Iger, on va peut-être faire une petite ellipse le temps que j'arrive. On va attendre d'arriver là-bas. Je fais une ellipse et le temps d'arriver là-bas. Moi qu'il se passe quelque chose entre-temps. J'arrive à destination. Ce qui est amusant, je faisais comme réflexion, c'est que je connais cet endroit dans le principe que je fais le guide. Sauf que là, je suis sur ma partie principale. Et j'ai pas du tout le même vaisseau, le même équipement. Ah, il faut que je demande. Amarrage autorisation. Utilisé. Normalement, la configuration de la carte reste différente quand même, hein. Mais j'ai toujours un peu ce même principe. Salutations, pilote. Je représente le magistrat des pionniers Stégaris et j'ai une affaire à vous proposer. Si vous êtes intéressé,
Venez me rencontrer. Voilà, je vais voir. Oui, c'est que les secteurs se touchent. C'est Gary, c'est Antigon. Bonjour. Madame le commissaire de la guilde commerciale, Haruka Green. Pilote, il est bon de vous voir. Ce n'est pas un secret que les pionniers Segaris sont en difficulté. Depuis nos débuts, nous luttons pour nous faire une place. Franchement, nous avons besoin de gens pour nous aider au ravitaillement et concurrencer les organisations plus importantes. Il y aurait un unique investissement. Et ensuite, vous seriez un membre de notre guilde commerciale, avec un accès à bon nombre d'offres de travail. Très bien. Je vais mettre nos coordinateurs au courant. Vous avez maintenant accès aux offres de travail dans les zones où nous opérons. Je suis sûre que vous serez d'une grande aide. J'aurais pu penser à enlever l'interface d'abord. Super. Donc ça peut être intéressant à un moment donné que je m'occupe de ça. Ici, l'émission. Voilà. Plus Nessigaris. Je pourrais m'occuper de certaines choses pour monter vite fait. Puis voir un peu peut-être des récompenses différentes, modifications de peinture, choses comme ça. Ça pourrait être intéressant. Oh, terraforming, ouais, terraforming est tout à fait parti là. Petit Aragon, Aragon contre Centaure, Gigomercial Antigon, Pionnier Segaris. Ok, je... c'est qui? J'étais premier par... Encore? Oui, j'ai où? J'ai une autre promotion. On séparait les gars qui donnent ça. Alors là, c'était commercial, effectivement. C'est le premier niveau. Et là, on va avoir un nouveau représentant de faction, William Long. Bonjour, monsieur. C'est bon de voir un ami. Recevoir l'or. Vas-y. Je l'ai fait bugger. Ah, il n'y a pas de voix. Prendre un nouveau grade comme marque de notre appréciation. Ah, c'est qu'il n'y a pas les voix. Bien entendu, vous serez aussi récompensé avec des avantages. Ces avantages sont liés à votre rang, donc vous les perdez si vous retournez contre nous. Retournez contre nous. C'est comme pour les autres. Hein. Blablabla. Bon. Mais compte tenu de votre aide par le passé, je ne vois pas cela comme une source d'inquiétude. J'espère que ces récompenses seront à la hauteur de vos espérances après ce que vous avez fait et que vous saurez en faire bon usage. Bah, je suis à 15 quand même, c'est déjà bien. Hein. Oh, et attendez-vous à l'avenir à être contacté par des membres de notre organisation qui auraient besoin de votre aide. Très bien. Encore une fois, nous apprécions ce que vous avez... Que vous avez pour nous jusqu'à nous espérons encore travailler avec vous dans le futur. C'était bizarre la phrase. Bonne chance par là-bas. Merci. C'est bon de voir un ami. Montrez-moi les licences. Ça va être 20. Question de position que je prends. Bonne chance par là-bas. C'est bon de voir un ami. Les plans. J'ai droit. Ah, je pourrais avoir le katana. 17 millions. Je peux avoir les autres. Intéressant, je peux déjà avoir des plans de chez eux. Équipement aussi. Enfin, je regarde un peu plus précisément ça. Production. Ok. Bon, j'ai acheté un plan pour le Kukri et des moteurs MK3 de chez eux. Bon, j'arrive plus tard. Ça coûte déjà. Ça va être 13 millions déjà, quand même. Transfert de données. Allez. Comme active. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre le contrôle, machin chose. Ok.
Donc nous on va repartir là-bas, ça veut dire que le notre Cobra je sais pas si j'en aurais besoin mais bon ah, attends EVL, il est arrivé. Ouais, il a chopé. Attends, mais pause. Cobra. Aussi, pour qu'il me suive. Et moi, je vais me téléporter là. J'attendrai que vous me disiez de décoller. Vous entrez dans le système. Voilà. Prophétie Gaïa. Mission terminée. Établissement du lien longue distance avec Kuromankami. Transfert du noyau d'IA expéditionnaire MK7. Au revoir, pilote numéro 3. Ah merde. Tu vois que j'avais pas fini la mission précédente, mais c'était juste, j'avais rien à faire quoi. On va prendre le contrôle. Pff, ridicule. Il y avait rien à faire en fait. C'est juste que j'avais pas fini l'autre. Alors attends, je vais décoller. Attends, je vais décoller ou je vais essayer de lui parler? Je peux essayer de lui parler. Ah, c'est vrai, autant on descend direct comme ça. Attends, je vais voir. Non! Boulet. Recherche. Okinawa. Ah, je vais pas sortir. Il est pas là, le chef. Il est pas là, le chef. Alors, je prends... Bonjour. Un vaisseau. Je vais sortir de là. Dernière image. Bon, bah, objectif raté. On va voir si on déclenche autre chose. Moreya. C'est un peu ridicule, du coup. Il y avait pas... Il y avait rien. Écarte un peu. Moi, je suis là. On va se donner comme objectif. Oui. Non, le QG carrément. J'ai pris le temps de réfléchir 2 minutes. Je vais m'arrêter à la station commerciale qu'il y a ici. J'ai laissé Garrys. Je vais laisser mon vaisseau. Ça laisse toujours un point d'ancrage si je dois revenir rapidement. Parce que je peux toujours me téléporter maintenant ici. Je peux me téléporter directement où je veux, à l'autre bout de la galaxie. Donc c'est ça qui est pratique. Et on va avancer sur... sur les xénons, hein, la tout simplement. Spatiale. Est-ce que je me suis rappelé d'un détail? On va voir ensemble. Amarrage réussi. Voilà. Lui, je le garde tel quel. Nous sommes heureux de vous accueillir à bord. Ok, merci. On va se téléporter sur notre vaisseau de combat habituel. Tout ce qui est abordage, je le ferai en off parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt
vous le montrer, hein. C'est quelque chose qui a déjà été largement vu. Il n'y en a pas deux. Attends. Là, c'est bon, il est en dessous. Yeah. Donc, lui pour moi. Téléporté. Vous entrez dans le système. Famille Crit. Voilà. Donc ici, un petit regard avant d'aller plus loin. J'avais zappé que j'avais mes deux flottes. J'ai la flotte qui était en défense sur le secteur précédent, que j'ai rapatrié ici. Donc je peux sans problème demander à cette flotte de venir ici. Donc dans le principe, ici c'est tenir position. Activation du moteur de voyage. Voilà. Ils vont commencer à regarder ce côté-là. J'ai changé le commandant ici. Avant c'était une humaine. Puis-je aider ? C'est mis un pilotage, j'ai pas. Monsieur. Si on peut le voir un petit peu plus. Alors attendez. Ici, au niveau du personnel. Allez, commandant. Si je reviens sur la première page. J'y reviens un petit peu l'assignation. Je laisse quand même ceux qui sont en transport. Je garde leur expérience que j'ai besoin qu'ils soient quand même pas mauvais. Pour pouvoir éviter de se faire dégommer. Je pense que ça peut rester important, donc je laisse comme ça. Mais les fax, c'est les vaisseaux mères à chaque fois de mes flottes de combat, d'attaque principale. Donc là j'en ai 3 fax, enfin 4 maintenant avec le Raptor. Je compte passer le Raptor en 1, mais le temps qu'il se fasse réviser tout ça, et le temps qu'il arrive, je garde mon Zeus. Mais ça voudrait dire que je vais avoir sûrement, je vais mettre en place un fax 400. Quatrième flotte d'attaque. Enfin, je développe les vaisseaux. Donc à moins que je monte ma réputation auprès des Terran, et ça pourrait être drôle, et je prends des vaisseaux de chez eux pour voir ce que ça donne. Ça pourrait être une idée. En attendant, en tout cas, c'est là où j'ai ça. Et j'avais du coup mon Crotal ici, qui était en deuxième position. Donc j'ai inversé, je l'ai filé le commandant, le commandement de toi, c'est elle là. Chez le Colina, je l'ai fait le commandant du Raptor. Habitude des vaisseaux split, après tout maintenant. Et bah lui, il est là, il est pas comme plus mauvais. Un petit Eladien. Alors, nous, on se déplace doucement à côté. Tellement doucement que ça bouge pas beaucoup. Tu sais quoi? Allez, file. Ah, on m'a demandé pour savoir un peu comment ça marche au niveau des combats. Alors, je vois ça et surtout le côté c'est attaque synchronisée ou. Attends, comment ça s'appelle ? Coordonnée, attaque coordonnée, je crois. C'est. Ouais, bon, je suis pas sur le secteur, j'arrête. Et c'est pas très clair comme portail. Comme principe. Famille Zin. Ah, c'est sympa ces nouveaux effets qu'ils ont fait. Ils ont fait en sorte que suivi que le vaisseau soit à côté du portail et pouf, il se téléporte. Et on voit ma plateforme Centrale de combat. Soleil. Ici. Portail. Famille Zin. Mon vaisseau, mon propre vaisseau constructeur. Avant-garde. Portail. Famille Zin. Voyage là. Yaki, toujours les mêmes. Ça finira par plus baisser hein, quand je serai à moins 30, hein, ça va. Hein.
analyser le secteur d'à côté. Ouf! Vous entrez dans le système. Oh, jolie couleur. Famille ici. Ça me change complètement de Valet. Tellement joué à Valet. Oh, il y a une planète au fond là. Il y a vraiment l'effet effet comme très joli. Hein, si on se met comme ça. Là. Franchement. Ça le fait. Tous les ennemis, ok. Ici. Ok, lui. Est-ce qu'on aurait le temps d'aller jusque là-bas pour se faire un K? Longtemps qu'on n'a pas fait un K. On attend des ordres. Ok, mais justement, ça tombe bien. Ah, attends. Station. Oh bah c'est bon, il y en a bien une. K. Astéroïde. K. Oh! Attends. On est juste à côté. Pas besoin d'aller très loin. On arrête. C'est pas du tout les ordres. On va se faire celui-ci. Doucement, tranquillement. Ah ouais, on va regarder un truc. Mais vous allez voir que c'est... Je comment on va. Je prends ça. Alors, clic gauche sur le premier. J'appuie sur la touche Shift, j'appuie sur le dernier que je veux sélectionner. Ça prend tout ce qu'il y a du premier au suivant que je sélectionne. Je fais clic droit là-dessus. Et il n'y a pas ta coordonnée. Ah non, je crois que c'est que le chef. Attaque coordonnée. Voilà. Attaque coordonnée, ensuite cible. Ok, agressivité de la flotte. Faites cible. Cible faible en premier. Ignorer les points de passage. Si je fais ça. Attends. Allez, attends. On va pas faire. Allez, attends. On va ralentir. Oh non. On va tellement ralentir que. On va laisser venir. Attends, je fais une petite sauvegarde aussi avant. Alors, attaque coordonnée. Pour l'instant, la seule chose que j'avais vue au niveau résultat, c'est qu'il se positionnait autour de la cible. Mais sans rien faire. On les voit s'écarter. Je fiche là. Coordonner l'attaque. Bon, il y en a qui attaquent. Elle.
barre encore. Ah, oh, attends, par contre, là, on peut peut-être... Ouais. Tour à la grève. Ah, ce serait bien de choper celle de... De l'autre côté. Impulsion. Tour polyvalent. Ah, attends, vas-y, je passe en F3. Ah, elle a déjà pété, c'est pour ça. Ouais, mais bon, attends, on va pas s'embêter. On va reculer plutôt. Oh. À côté attaque coordonnée. Voilà. En attente des ordres. Bon, pas trop. Protéger une position. Non, j'avais pas changé. C'était pour tenir position. Ah, j'ai peut-être pas fait confirmer. Ok. Bon, un au moins. Je viens d'apercevoir qu'on on a bien détecté d'autres. Il y a l'autre qui se pointe vers nous. Sur le radar, il y en a un là, c'est là-bas. Et faut pas passer par là, messieurs. Ah voilà. Alors là, on va changer. Allez. On les voit en dessous, là, un peu à travers. Je sais pas si c'est par le haut ou par le bas. Mieux. Je dis par le bas. Par le haut, je veux dire, justement. Il a détruit la graviton sur le ventre. Ça protège les boucliers, quoi. Attends, si je fais comme ça. Il est déjà en position. Attaquer. Ça va aller vite là, non? Son bouclier chute. La coque. Voilà. Les pertes. Ok. Bah, du coup, on va faire comme d'hab. On va se choper une station. On va se rapprocher de là. Je vais me cibler. Ouais. J'en ai une.
ça c'est ça plus simple. Celles qui sont très excentrées là, celles qu'on voit tout là-haut, ça pose problème. À cause du de la différence de niveau. Pendant ce temps, lui, il en est où? Il a fini. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rapprocher. Allez. Allez, on va le rapprocher, mais je voudrais bien. Tu vas aller là pour l'instant. On va voir si on peut la réviser. Voilà. Je sais pas si je devrais le remplir de vaisseau ou pas. De petits chasseurs. Ça me dirait bien, mais. Vous en avez vu que c'était pas forcément toujours efficace. Enfin, pas de la manière que je joue. Il est en suivi sur moi. Il suit de loin. J'ai toujours peur de voir les barres de vie comme ça là. Je croyais que c'est le nôtre. Tout va bien. Pareil, l'avantage d'aller moins en éclaireur, de repérer la distance, ça me permet de donner un point de repère pour ma flotte. Dans ce secteur, ça va commencer à piquer chez eux. Bon, on voit qu'il... Là, j'en vois que 3, mais on voit qu'il y en a d'autres. Au moins un.
j'arrive à positionner tout le monde, tout ce joli petit monde. Ici. Vas-y, il a fait un tir et il s'arrête. Ce qui va être maintenant intéressant, c'est de repérer ici. Ok, c'est le deuxième. Je sauvegarde. Ok, sauvegarde faite. Et on va envoyer tout le monde sur ce premier. Donc je mets pause. Ça. Alors. On va. Alors ça, ça marche. Ah, toujours pas. Vous pouvez espérer entre temps. Attaquer. Et je prends un par un. Je dégauche ça. Non, pas secondaire. Ça. Voilà, petite ellipse le temps de faire tout ça. Les ordres sont donnés. Tout le monde va pouvoir attaquer. Alors par contre, je vais faire pareil. Je vais sélectionner le module T. Et là-bas. Je vais essayer de récupérer lui. Qu'il me rejoigne. Le plasma pour l'instant. Ouah, c'est beau ça. Du coup, on les voit pas, ils sont tellement petits. Prendre de défense. C'était pour. C'est pour Star Citizen. Dans le dernier patch, ils avaient revu l'effet des impacts sur le bouclier. Ils sont pas pareils, mais nous aussi, ils ont revu. Version 4. On n'avait pas ces effets. Très bien. Allez, on met pause dès qu'on voit le module faire. Boum! Je remets l'interface. Si je passe au intérieur. Ah, on voit pas la vie du.
Et on est où notre copain? Oh. Alors, ramasse. Hein. Ah ici il arrive. Voilà. Va pas trop loin, va pas trop loin, va pas trop loin. Eh bien. Ça j'aime bien ça. C'est bon. On y pose. Alors, il y en a déjà qui ont déjà lâché. On va reprendre ceux qui ont lâché. Toi, 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 toi. Voilà. On leur donne l'ordre d'attaque. Je m'en mets dessus. On repère le prochain module. Donc ça, c'est de l'autre côté. Ouais, mais là. Là, pour le coup, ça serait bien que je me positionne à l'opposé. Donc, finalement, on va tout annuler. Supprimer tous les ordres. Vous allez aller là. Là. Si je regarde à peu près à distance, ce sera pas par là. Là. Et on réattaque. Ici, sur l'ordre d'attaquer, je prends ça et bon, celui du milieu. Allez, hop. Ça, celui du milieu. Hop, allez, une ellipse pour finir tout ça. Ce cas terminé, on lâche les fauves. Je vais peut-être faire de même au final pour pouvoir sélectionner qu'est-ce qu'il fait. Vaisseau comme ça, c'est pas mal la vie extérieure. Vous voyez, du coup, il manque qu'il est en position. Il va s'occuper des drones. Doucement. Je suis presque dans l'axe. Je voudrais avoir facilement les deux là. De toute façon, on peut avoir les trois quoi. Sans avoir besoin de trop bouger après. À peu près la perpendiculaire. On y est presque. Les copains qui bougent en dessous.
presque. On se rapproche. Non. À tirer un petit peu. Là, on voit bien les effets là. Nid d'abeille. Alors maintenant, on va appeler notre copain Crotal. Là, il y en a des drones. J'avais morflé une fois comme ça. Joli comme ça, cette vue. Tu vas pas dessus ou? Là, il commence à tirer. Alors, elle est assez vite là, plus que 3. Enfin, plus que 3. Avec 4 en tout, c'est pas mal. C'est qu'une centrale solaire. Je sais pas s'il y a que ça. On peut voir. Pour rappel, on peut le voir comme ça. Je clique sur le secteur n'importe où. Ouais. Il y a quand même d'autres qu'on voit pas là. Tu vois que... Si j'ai encore ma cible? Si c'est bon, j'ai encore ma cible. Un peu tout le monde. C'est pas la même vitesse de projectile entre les plasmas et les batteries principales. Faut me rapprocher, mais j'ai pas besoin de toute façon. Vu qu'il y a tout le monde là qui tire, je participe, mais. En étant positionné comme ça, normalement, après les ordres que de l'attaque. Plus besoin de me déplacer. Costauron, c'est module de défense. C'est module de base. Voilà.
Très bien. Ah bah on a fait vite parce que c'est tous encore en attaque. Donc là, le premier de la liste. Je change la cible. Hop. Ordre terminé. On attaque. Moi je sélectionne le nouveau module. Pas besoin de bouger. Je vais vérifier la carte quand même. Il arrive. On voit pas, il y avait à un moment donné un Klaska là, qui se baladait. Hop là. Pourquoi il s'est autant rapproché lui? Coucou, attends. Là où il est, apparemment, il est. Il est tranquille. Donc on va le laisser comme ça. Maintenant, ce que je voulais voir. Je pense qu'il a pas trop. Ah oui. Allez, faut qu'il traverse tout ça. On peut peut-être aller voir après. C'est bien. Il n'y a aucun qui joue les têtes brûlées à avancer n'importe comment. Ah, il garde le même niveau là. Ah. Explosé. Ok. Donc on a deux qui ont lâché. Attaqué. Et on prend le dernier module. De défense. Les ordres sont donnés, je sélectionne aussi moi ma nouvelle cible. Et on lâche. D'avancer un peu, tirer aussi un peu de côté. Voilà. Je tire comme ça. Ça touche sans problème. En attente des ordres. Voilà. Et là on se fait plaisir. Lui. On est d'attaquer. Il va envoyer comme ça tout le monde dessus.
Moi, pour ma part, je vais laisser la main à mon commandant pour qu'il puisse finir. Et normalement, il va prendre les ordres du chef. Si, si, arrive. Ils ont du mal à se repositionner pour toucher la cible. Je trouve. Coque 18%. On doit avoir l'information de manière générale sur cette station. Normalement lui aussi il bouge. Ça va, j'en rythme, pas hyper rapide. Alors bon, on va faire comme d'habitude. Parce que fait déjà un certain temps pour cette vidéo. On va s'arrêter là-dessus, dans le sens où j'ai détruit une première station de ce secteur. Mon objectif, pour ma part, ça va être de finir le secteur. D'établir une plateforme de défense, donc ça va être ici. Le gros avantage est que je vais pouvoir rapatrier. J'ai trois flottes. Hein. Là, j'en ai une là, une là, une là. Ici, il faudrait que je fasse une autre plateforme de défense à cet endroit-là. J'ai lu dans des commentaires sur Twitter, je crois, qu'avec l'extension, ils se retrouvaient coincés dans le sens où ils avaient des missions où ils disaient qu'il faut éliminer les xénons, mais comme ils avaient déjà fini, zut. Donc ça va être un secteur que je vais les laisser. C'est un secteur que je vais attendre un petit peu avant de m'en occuper, ou bon, il faudra que je les contienne. Ah oui, quand même. C'est quoi, 2? C'est lui qu'il faut attaquer. Après, ils attaqueront lui. Voilà. Là, on les contient par ici. Voilà, après, on va les encercler. Et oui, après, bon, il me restera cette partie à terminer de toute manière. Donc, mes flottes pourront me servir pour venir ici. Après, je déplace dans ces secteurs-là. Là, j'ai déjà bloqué en bas, donc j'aurais ici à bloquer. Je pourrais réattribuer, voilà. On va laisser finir. Je pourrais réattribuer mes objectifs à mes flottes, plutôt. Voilà, c'est bien là. Ce qui va me permettre après d'attaquer l'autre côté, mais bon, après j'ai pas fini ici, hein, quand même. Ça va être encore assez long.
Je vais quand même patienter un bon moment avant de pouvoir commencer à bien contrer ces xénons. Bon, du coup, il fait plus rien. Ouais, si. Ouais. Si je les déplaçais pas. Bah, si je les. Sans les déplacer, ça bouge pas. Ouais, mais normalement, de toute façon, ils sont en ordre pour attaquer, quoi. Ouais, c'est ça, hein. Après, l'autre possibilité, ça serait de. Ouais. Ah, mais tant que l'autre il donne les ordres, je suis coincé. Toi. Comme t'es à mes ordres. Ah, c'est bientôt fini. Bien, ça se positionne de. Alors, il n'a pas étoilé le plasma qui tire. Ce qui m'étonne. Si je vois pas bien. Ah, si, si. On en voit une là. Allez, c'est en doucement. Hein. Ouais, tout le monde tire pas dessus. Bon, bah, pour la prochaine fois, je pense que mon raptor doit être de retour. Ah oui, mais tiens, je voulais aller. Bon, attends, on va finir que donc la station soit détruite ici. Je vais faire un tour dedans. Voilà. Ah, mais c'est que du coup, il reste encore des morceaux. Le panneau. Ouais, le panneau solaire, là. Si c'est le panneau solaire, peut-être que j'aurais plus vite fait de faire supprimer tous les ordres. Ça, supprimer tous les ordres et on se met là. Toi aussi. C'est réparé. On tire au plasma. Donne l'ordre d'attaquer. Il y a un peu plus de monde là.
peu le bordel. Ils gardent pas de formation quand on les déplace. Si c'est pas le chef qu'on envoie. Il n'y a pas tant que ça qui tient. Fouille, hein. Allez, bougez-vous. À côté. C'est ça. C'était resté sur le fait de se déplacer, ils attaquaient pas, comme leur chef. Bon bah c'est bon. Voilà. Une station en moins. Voilà ce qui va être chaud, c'est d'arriver à celle-ci. Vas-y pour choper le machin. Voilà. Alors, pour terminer cette vidéo, je me téléporte sur le Raptor. Vous entrez dans le système. Centre de profit Alpha. Ah, il est immense. Il y a un bec de canard. Méga porte-avions. Parce que nous on est là-dedans. Là. Magnifique. Mais bon, ça vaudrait le coup de le remplir quand même. Ça serait joli. Ça serait trop classe. Je verrai. J'ai à un moment donné si je fais quelque chose à ce niveau-là. Ok. Bon, on a avancé. On progresse dans ce secteur. Ici, je vais quand même repositionner. Non. Là. Ici. Ah, plateforme de défense. Super. Vous entrez dans le système. Famille Zim. Ok. Plateforme de défense Zénon. Voilà. Mon prochain objectif. Ici. Je sais pas si c'est la seule. Il y a peu de chance. Si je fais comme ça. Là. Est-ce qu'on va découvrir d'autres? Voilà, il est repéré. Ok, bien. M'étonnerait pas qu'il y ait au moins une autre plateforme de défense quand même. C'est étonnant qu'il y en ait. Ok, donc moi je m'occupe de ça.
au prochain coup. On attend des ordres. Nous, on se retrouve du coup. Je ferai sûrement des guides entre temps ou quoi que ce soit. Et nous, on se retrouve de manière. Alors, soit j'ai autre chose à faire entre temps de particulier. Soit j'aimerais bien que la prochaine vidéo sur ce Let's Play, c'est ça. Lorsque j'arriverai de l'autre côté. Et là, on voit que ça va être peu de coton parce que c'est plateforme de défense à l'arrivée. Dès l'arrivée. Ouf. Bon, à voir. Alors, comment ça peut marcher. Mais déjà, comme ça a commencé à leur piquer là, ici. Hein. Puis on voit qu'ils commencent à envoyer du monde. Comme j'arrive, je vais pas être tout seul. Ok, parfait. Bah écoutez les amis, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.